Les Ivoiriens veulent absolument peindre leur pays, la Côte d'Ivoire, en noir. Oui, la jeune petite que vous voyez en image là, belle, sexy, nyangato, comme on voit là, n'est plus de ce monde. On nous fait comprendre qu'elle a été retrouvée dans un appartement. Qu'il part son petit ami. Bon, les réseaux sociaux, comme ça raconte n'importe quoi, d'autres disent que c'est l'enfant d'un ministre, mais l'information n'est pas encore sûre. Et d'autres disent que c'est un scammer, donc les trafiquants d'organes. On nous fait comprendre que elle a été retrouvée, il y a deux versions, découpée et les morceaux dans un sac. On se rappelle aussi qu'on a aussi vécu une scène comme ça ici à Yaoundé. Un jeune qui a aussi découpé sa maman, sa propre mère. Et l'autre version, c'est que non, on a plutôt enlevé les organes et emballé le reste dans le drap. Toujours est-il que peu importe la version, elle n'est plus. Ça fait très mal. C'est une jeune TikTokeuse. On l'appelle Océane Conan. C'est pas trop, c'est comme ça qu'on prononce. Moi-même, je ne connaissais pas cette fille. C'est tellement, j'ouvre TikTok ce matin, je vois TikTok est bondé par les images de cette petite. La Côte d'Ivoire est en train de vibrer actuellement. On n'a pas encore oublié les Oubi et les Lélé. Donc, comme depuis, on vous demande que non, arrêtez avec cette histoire bizarre-là. Vous venez encore avec une autre version. Non. Non. C'est fort. C'est fort. Mais moi, personnellement, quand je regarde ces jeunes filles, je ne sais pas si elle veut dire que j'ai un message pour nos jeunes sœurs. Parce que ça ne sert même plus à rien de les conseiller. Parce que ce que tu dis, c'est pour toi. Ce que tu dis, c'est pour toi. Quand je vois ma fille ici, je peux avoir juste l'impression, peut-être sont ses parents qui investissent sur elle. Mais si c'est ce que moi je pense, ça, ce jeune, du genre de jeunes filles qui veulent seulement sortir avec les jeunes brouteurs là, les scammers, les gars qui font le faux, les gars qui font le sale pour avoir beaucoup d'argent. Voilà, c'est les jeunes petites filles qui aiment les dos. Tu n'as pas l'argent. Si c'est Franco, comme toi, qu'il est villageois, il ne sait pas s'habiller. On veut les gars qui ont les grosses voitures, qui s'habillent des vêtements de luxe, qui vivent dans des belles maisons et tout. C'est ça. Il y a aussi le prix à payer. Voilà le prix à payer. J'aimerais que beaucoup sachent qu'il y a des crimes comme ça partout dans le monde, dans tous les pays. C'est juste que c'est tombé sur une star, si je peux appeler ça comme ça. Puis souvent, on appelle aussi les TikTokeuses les stars, non? Donc, c'est tombé sur une influenceuse. Voilà. S'il faut utiliser le thème, c'est tombé sur une influenceuse. Et voilà donc les autres influenceurs qui ont pris le dossier, qui ont acheté le problème. Et c'est pour cette raison que ça prend. Sinon, il y a les non-names. Quand vous entendez chaque jour disparition, téléporté, disparu, on ne voit plus. C'est des choses comme ça. On vous prend pas, on vous amène quelque part, on fend, on enlève ce qui est important. Le reste, c'est là. On jette même dans l'eau, soit. Je ne sais pas trop où on enterre, où on... Ça existe partout, les gars. Vraiment, c'est fort, hein? C'est fort. Mais jeune sœur, on va quand même aussi parler avant que ça noie rien ses vies, parce que vous connaissez déjà tout. Faites très attention. L'argent facile. L'argent facile. L'argent à tout prix et à tous les prix. Le problème, il y a dans les mains de la police, mais bon, moi vous connaissez comment ces choses-là fonctionnent. La suite sera quoi? La suite sera quoi? Parce que selon quand on entend certains parler, le gars n'est même pas à son premier forfait. C'est comme si c'est son boulot même. C'est comme si c'est son job. C'est comme s'il a l'habitude de faire ça. Je parle de son gars, son copain. Mes soeurs, soyez très prudents. Les histoires de TikTok,
ce que vous voyez là. J'ai toujours dit aux parents que si vous avez déjà un enfant, là c'est une petite fille, elle n'a même pas 23 ans, je ne pense pas. Si vous avez un enfant, surtout les gamins, les petits là, les tout petits, les mineurs, qui se lancent là sur TikTok, si ce n'est pas vous-même qu'on envoie devant, c'est que tôt ou tard, vous risquerez de perdre votre enfant. TikTok est dangereux. TikTok est mauvais. Vous vous souvenez de ce papa-là, où c'est Anchang, qui a enterré déjà, où c'était son deuxième, son troisième enfant, toujours les histoires de TikTok. Il disait que son fils avait pris sa part, que le conteneur magique, même pas la valise, même pas le portefeuille, mais le conteneur magique. Donc ce gars avait un agent qui n'avait pas de nom. Mais il s'est fini, il est fini comment? Il est parti comment? Vous voulez avoir l'argent, non? Vous voulez avoir les grosses relations, non? Vous voulez rouler dans les grosses voitures, non? Mais personne ne veut travailler. On dit travail. On veut seulement danser, passer le temps à danser sur TikTok. Tourner les reins sur TikTok. Avoir les clients. Des gros clients surtout. Ok, vous aurez les gros clients. Mais pensez aussi que derrière ces gros clients-là, qu'est-ce qui peut suivre? Voilà le résultat. Ces soeurs vont voir ça comme ça, dire que ah, c'est son destin. Ok. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Et je ne peux que vous souhaiter une bonne chance. Paix à ton âme, et ma soeur. Et mes sincères condoléances à la famille attristée. Vraiment. Veillez sur vos enfants, chers parents. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.